Oh,
I'm not
devant. Par le nom puissant de Jésus. Que Dieu nous accompagne. Dès que tu es fatigué dans la prière. Dès que tu es lassé. Parce que aujourd'hui nous allons terminer ensemble avec Dieu. Dieu est parmi nous. Dieu opère de grandes choses. Dieu est ensemble avec nous. Dieu opère de grandes choses. Si ton Dieu est pour toi, qui va être contre toi? Si Dieu a déclaré, qui va être contre soi? Par le nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Et la Bible te révèle. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera. Toute langue qui se lèvera en justice. Il y a des langues qui se lèvent en justice. Il y a des gens qui parlent de mon frère. Il y a des gens qui parlent de toi. Et la Bible dit ceci. Que toute langue qui se lèvera. En justice, la Bible dit que tu la condamneras. Tu la condamneras. On va condamner tes langues mauvaises. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Tout ce qui nous menace. Tu la condamneras. Tu la condamneras. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. On va les détruire. Détruire les forces. Les forces négatives. Dans ta vie maintenant. Je déclare. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Toutes les forces qui ne confessent pas la grandeur de Dieu. Dans ta vie. Dans ta famille. Oh, tu la condamneras. Tu la condamneras. Par le nom puissant de Jésus. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Que Dieu te touche. Que Dieu te libère. Que Dieu soit ensemble avec toi. Aujourd'hui, Léon, ton Léon. Aujourd'hui, que ta vie ne reste plus la même. Aujourd'hui, que Dieu se manifeste. Aujourd'hui, que Dieu manifeste. Nous allons te prier. Nous allons lier. Tout ce qui n'a pas de la volonté de Dieu. Tu es venu cette nuit pour combattre une personne. Mais maintenant, nous allons lier. Lier, lier, lier. Par le nom de Jésus. Et que tout va se réfugier sous la croix de Jésus. Sous la croix de Jésus. Il est le nom 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 de Jésus. Rabba, rabba, rabba. Rendez-vous. Rendez-vous. Rabba, rabba, rabba. Rendez-vous. Voyez-vous. Alléluia. 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 Dieu est là. Le Dieu qui révèle de grandes choses. Le Dieu qui révèle de grandes choses. Le Dieu de la bénédiction. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob, le Dieu de nos enfants. Oh là, rendez-vous. Rababa, recouvrez-vous. Rendez-vous. Oh Yoshamasha, le Dieu des veilleurs, Rabbi, manifesté. Que Dieu lui-même, voit-il chef, l'ange Michael, lui qui est votre chef, lui qui est ton chef, qui va te détruire, qui va te libérer. Libérer ta prière là où se trouvent les principautés. Oh, je disais ceci, nous allons détruire les forces qui descendent le ciel là où se trouvent les principautés. Vous êtes confondus, tu es confondu, toi qui se transformes en femme de nuit, toi qui se transformes en homme de nuit, toi qui te transformes en mari de nuit, toi qui se transformes, oh, tu t'es transformé. Mais je connais ta foi. Ta foi. Laisse-moi te dire, bien-aimé. Le Dieu que nous invoquons va te révéler la foi de tes ennemis. La foi de tes ennemis. Et tu les condamneras. Et tu la condamneras. Et tu la condamneras. Tu vas condamner tout ce qui n'est pas de Dieu. Par le nom de Jésus.
de foi, tu changes de foi. Mais on connaît ta foi. On te connaît. Le Dieu que nous servons, qui nous ouvre les yeux, qui va porter la délivrance dans nos vies, dans nos maisons, par le nom de Jésus. Glory be to God. Amen. Glory be to God. Amen. La Bible dit ceci. Nous allons rester toujours debout comme ça dans la prière. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là pour détruire les forces du deuxième ciel. Nous sommes là pour détruire les forces négatives. Nous sommes là pour détruire les principautés par le nom puissant de Jésus. La Bible dit ceci. Dans le livre de Jacques 4, dans le verset 5 au verset 8, on va aller jusqu'au verset 9. Oh, alléluia. Verset 7 au verset 8. La Bible te dit ceci. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et le diable fuira loin de vous. Le diable fuira loin de vous. Les principautés fuiront loin de vous. Résistez au diable. Et ils fuiront loin de vous. La Bible dit dans le verset 8. Approchez-vous de Dieu. Maman, approchez-vous de Dieu. Ma soeur, la Bible te dit. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera aussi de vous. Quand tu t'approches de Dieu, maman, Dieu va se déplacer pour s'approcher de vous et nettoyer vos mains. Pécheur qui nous sommes. Pécheur que tu es. Oh, bien, mais la Bible te dit. Nettoyez vos mains. Pécheur. Purifiez vos cœurs. Purifiez vos cœurs. Un cœur qui est rempli avec la sorcellerie. Avec la sorcellerie inconsciente. Nous allons vous lier. Et aujourd'hui, on est en train de détruire tous les plans négatifs par le nom puissant de Jésus. Purifiez vos cœurs. Homme irraisonné. Alléluia. Amen. Les hommes irraisonnés. Alléluia. Amen. Et la Bible continue encore ici. Dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre 5. Alléluia. Amen. Du verset 7 au verset 10. La Bible te dit ceci. Elle déchargeait encore. Donc déchargez. Alléluia. Amen. Déchargez-vous, sire. Tous vos soucis, alléluia. Déchargez-vous sur lui tous vos soucis. Alléluia. Car lui Dieu prend soin de vous. Car lui Dieu prend soin de nous. Dieu est en train de prendre soin de toi. Dieu est en train de prendre soin de toi. Dieu est en train de prendre soin de toi. Et tu condamneras bien. Tu vas commencer à condamner tout ce qui n'est pas de Dieu. Parce que Dieu prendra soin de toi. Au nom de Jésus. Dans le verset 8, maman, la Bible dit ceci. Soyez sombres. Veillez, bien-aimés. Veillez. Quand nous vous invitons comme ça. Quand nous vous prêchons, bien-aimés. Quand nous parlons de Dieu. Bien-aimés, la Bible te dit. Soyez sombres. Et veillez. Parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rougissant bien-aimé, et cherche à qui il dévorera. Ah, et la Bible te dit, il insiste ici la Bible, résistez-lui avec une ferme assurance. Les mains esprits du Saint-Bagnon. Nous sommes là pour détruire les ennemis. Nous sommes là pour détruire les principautés. La principauté. Résistez. Résistez-lui. Avec une foi ferme. Ça c'est que les mêmes souffrances là sont imposées à vos frères. Dans le monde. Il y en a d'autres déjà qui souffrent aussi de ça. Résistez.
Nous allons résister. Nous allons résister. Comme vous avez résisté. Nous allons résister. À la bénédiction. Il est revenu à nous. Il est revenu ici à l'église. Il devait rentrer ici à l'église. Ils ont résisté. Ils ont bloqué. Il y a des gens qui parlent de mon père. Les gens qui il y a des gens qui parlent de mauvais sifons. Il y a même d'autres serviteurs qui parlent de mauvais. Ils sont là pour parler de mauvais. Mais ils sont en train de résister. Comme les principautés. Qui a résisté à la prière de Daniel. Amen. À la prière de Daniel. Quand l'ange Gabriel venait. Pour libérer cette bénédiction. Pour libérer Bien-aimé. Mais quelque part, il y avait Bien-aimé le prince des royaumes de Perse. Qui résistait Bien-aimé à l'ange. Et l'ange ne pouvait pas venir. Pendant 21 jours. Je suis de parler à une personne qui me suit maintenant. Ta prière a fait 21 jours. Ta prière a fait même un mois de moi. Tu as fait une année. Tu as fait 10 ans. Tu es en train de prier. Mais il n'y a pas de solution. Oh, et moi, je dis nous envoyer. Mais parce qu'il y a des principautés que tu as oublié à combattre, à détruire. C'est pas là, j'ai dit, maman. Tu ne peux pas chasser les sorciers. Tu ne peux pas chasser les sorciers de ta famille. Tu ne peux pas chasser, bien-aimé, les démons. Et laisser la principauté. Aujourd'hui, bien-aimé, et tu prends l'autorité de détruire la principauté. De détruire la principauté. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. In the name of Jesus. On va détruire les forces négatives de l'ennemi dans nos vies. On te connaît. Dieu me dit ceci. Nous allons commencer à dénoncer. Que Dieu le libère maintenant. Que toute langue qui s'élèvera en justice. Mais tu la connais. J'ai dit tu la connais. Toute parole négative qui ne confesse pas la grandeur de Dieu. Tu la condamneras. Tu la condamneras. Par le nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Et que tu sois sauvé maintenant. Et que tu sois guéri maintenant. Par le nom puissant de Jésus. Reçois la main de Dieu dans ta vie. Elle n'est pas courte pour venir te toucher. Elle n'est pas courte la main de Dieu pour te délivrer. Que Dieu te délivre. Si ta délivrance avait échoué. Mais aujourd'hui là, Dieu nous a révélé. Hier le soir, hier la nuit, que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Que toi, tu ne seras jamais dans la confusion. Tu ne seras jamais dans la confusion. Que Dieu nettoie ta maison. Que Dieu touche ta vie maintenant. Je déclare, au nom de Jésus, que la confusion retourne dans les camps. Dans les camps, qu'il soit confondu. Que ta maison, toi qui es l'ennemi, sorcière, toi qui es en fauteuil, par les esprits mauvais. Par les esprits méchants dans les lieux célestes. Oh, tu sois maintenant confondu. Et libère le peuple de Dieu. Parce que tu as parlé. Que son peuple ne sera jamais confondu. Par le nom puissant de Jésus. Rababa Yeke. Vous les bénissez. Nous l'avons sainte. Vite le mousse. Nous allons
je déclare, je déclare, si ta femme est sorcière, si ton mari est sorcier, je déclare, si il y a la sorcellerie dans ta famille, si il y a la sorcellerie dans ta maison, si il y a des choses qui sont bloquées, je libère la main de Dieu. La main de Dieu te touche. Que la main de Dieu libère. Il est l'âme of Jesus. Que la main de Dieu te libère. Que la main de Dieu te purifie. Que la lumière jaillisse. Que le soleil brille maintenant. Que le soleil brille maintenant. Oh, que la terre soit tremblée maintenant. Que la terre tremble maintenant. Et que les cieux soient ébranlés. Tout ce qui n'est pas de Dieu, oh, soit confondu. Retourne confondre la prière. Par le nom de Jésus, le soleil et la lune. Que tu sois délivré. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Et tu vas témoigner ce Dieu. Tu vas témoigner ce Dieu. Par le nom puissant de Jésus. À travers cette prière aujourd'hui, ta prière aujourd'hui, ta fille restera plus la même. On te connaît, on te connaît, on te connaît, je te connais, je te connais, gros Seigneur. Combien de fois tu es venu menacer nos filles, menacer l'église, l'église Il est Sabaoth. Azali Sabaoth. Il est le Dieu merveilleux. Azali Sabaoth. Il est un Dieu qui sauve. Azali Sabaoth. Il est un Dieu qui guérit. Azali Sabaoth. Il est un Dieu qui révèle des grandes choses. Vous êtes venus à deux. Mais nous avons écouté que la voix. Et à travers la voix, nous avons identifié. Nous avons identifié qui es-tu. L'église ici ne sera pas détruite. Alléluia. Parce que l'église ici n'est pas physique. C'est spirituel. Je voulais te dire c'est spirituel. Je voulais dire c'est spirituel. Nous sommes dans le spirituel. On voit tout. On te connaît. Dans cette église ici. Dans cette église. Alléluia. Amen. Je vais un peu exhorter un petit peu. Pourquoi faire le confiance aussi? Amen. J'ai beaucoup parlé de ça. Mais je voulais insister sur ça. Je vais insister, mais l'apôtre Paul nous enseigne. L'apôtre Paul a dit qu'on l'a mis sur. Il est arrivé aux Éphèses. A comment il est Éphèse? Il va dire ceci. Alléluia. Dans le livre d'Éphésiens 6, dans le verset 11. Éphésiens 6, dans le verset 11. Jusqu'au verset 13, au Père, il était là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Répétez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas alité contre la chair et l'esprit. Je voulais dire à une personne, nous n'avons pas alité contre la chair et l'esprit. Alléluia. Amen. Mais contre les dominations, contre la domination, contre les autorités, autorité, contre les princes de ce monde et des ténèbres, et contre les esprits. Méchant dans les esprits. Alléluia. Amen. Dans le verset 13 de la Bible dit ceci. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir rester
résister. Dans les mauvais jours. Regarde ces enseignements ici. Amen. Apôtre Paul qui nous les donne. Apôtre Paul nous a fait subir ce mot. Il dit que revêtez-vous de toutes les armes. Afin de pouvoir résister. Les principautés de la principauté ont résisté à la prière de Daniel. Le sang de Daniel. Ils ont bloqué l'ange pendant 21 jours. Pendant 21 jours. Alléluia. Amen. Mais il y avait l'un des chefs de l'ange. C'est lui qu'on appelle Michael. Est venu secourir l'ange Gabriel. Pour qu'il puisse continuer. D'aller libérer le message. De venir dans ta maison pour libérer le message. Je suis là pour libérer le message. Revêtez-vous des armes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Les mauvais jours sont là. Nous sommes dans les mauvais jours. Il y a l'obscurité, bien aimé. Ne regarde pas parce que tu vois là-bas, il y a la lumière. L'obscurité est là. Nous sommes dans les mauvais jours. Et la Bible continue de dire ceci. Et tenez-nous ferme. Après avoir tout surmonté. Alléluia. Amen. Maman, je voulais dire ceci. Aujourd'hui, nous avons gagné la guerre. Aujourd'hui, nous avons gagné le combat. Aujourd'hui, nous avons détruit tout. Les forces négatives dans ta vie. Les principautés. Oh, là où se trouvent les étoiles du ciel. Alléluia. Amen. Nous les avons détournés. Et nous les avons confondus. Alléluia. Amen. Et nous sommes vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Parce que c'est lui qui est à nous. Avec gagné aussi le combat. Et nous sommes en train de gagner le combat. Le combat de femmes de nuit. Le combat de mari de nuit. Je parle à elle, y a une personne. Toi qui viens comme mari de nuit, femme de nuit. Vous savez qu'il y a même des femmes de nuit qui viennent même dans la journée. En pleine journée. Des maris de nuit qui viennent aussi. Il y a de la sorcellerie inconsciente. Vous êtes en train de chercher toujours à nuire une femme. Mais la Bible dit ceci. Nous sommes plus que vainqueurs. Comme nous avons gagné le combat. Dieu a dit ceci. À travers la bouche de l'apôtre. Paul. Il dit ceci. Tenir ferme après avoir tout ciré. Donc cela veut dire maman. Prochainement les combats vont revenir. Vous savez nous sommes sur cette terre. Nous sommes ici là où il y a l'atmosphère. Sur cette atmosphère ici. Il y a toujours des combats. Le diable maman travaille 24 hours. In 7 days. He's working. Il est là, il travaille toujours. Il travaille toujours. Il ne se fatigue pas. Donc cela veut dire quoi? On ne se fatiguera pas. Tu ne vas pas te fatiguer. On ne se fatiguera jamais. Tu ne vas pas te fatiguer, maman. Tu ne vas pas te fatiguer, mon frère. Il faut toujours porter ses armes. Parce que quand ils reviendront, vous serez toujours vainqueur. Tu seras toujours vainqueur. Si vous sautez dans le verset 17, au verset 18, la Bible dit ceci. Prenez aussi les casques. Qui salit et le paix de l'esprit. Qui est la parole de Dieu? Pourquoi je lis seulement là? Vous pouvez lire 14 à 18. Mais ici je lis ça. Parce que le paix de l'esprit. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Jésus. Quand vous priez, vous lisez les Écritures. Vous lisez la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire, le paix là, on utilise dans les ténèbres pour venir te détruire, pour te faire ici, pour te faire coincer.
pour te faire un fer enfoncé, pour qu'il y ait l'eau et le sang coule, comme Jésus-Christ. Le Père là va confondre l'ennemi dans ta famille, parce que je le vois déjà, ils sont confondus. Le même le Père là, et prie aussi pour nous, prie aussi pour les saints, ainsi que l'Éternel, portez toutes les armes de Dieu. Nous sommes là pour détruire les principautés. Vous savez, les principautés, ils sont capables, ils sont capables, maman, de quitter le lieu là où ils sont à l'espace, là où se trouvent les étoiles du ciel. Ils sont capables de descendre, de venir même dans ta vie, d'entrer en toi, de toucher ton cœur, de toucher ta maison. Ils sont capables. L'apôtre Paul l'a appelé ici les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans le ciel. Il faut les détruire par la prière, par la prière et par cette parole de Dieu. Que Dieu soit ensemble avec nous. Que Dieu te bénisse, toi qui nous as suivis. Que cette prière d'aujourd'hui libère complètement ta vie. Comme Dieu nous a dit que son peuple ne sera plus jamais dans la confusion. La confusion ne va plus avoir été. La sorcellerie inconsciente ne va plus exister. Nous sommes là pour dénoncer. Nous sommes là maintenant pour les condamner. Nous allons condamner tout ce qui est de l'ennemi. Et l'apôtre Paul ajoute dans le livre de Ephésiens 3, verset 10, afin que les principautés, donc les dominations, les principautés, donc les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, et je m'arrête ici, connaissent aujourd'hui que tu es de Dieu, que tu es l'enfant de Dieu, que tu es l'enfant de Dieu, que tu es l'enfant de Dieu. Que tu es un enfant de Dieu. Qui nous connaissent aujourd'hui? Les dominations, bien aimés. Les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui. Par l'église Pierre de Vie. Par l'église Pierre de Vie. Par l'église Pierre de Vie. Oui, par l'église Pierre de Vie. Qui les connaissent aujourd'hui? Par l'église Pierre de Vie. Par l'église Pierre de Vie. Que nous sommes vainqueurs. Que nous sommes vainqueurs. Que maman, tu es vainqueur. Nous allons témoigner ce que nous. Je déclare au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia.